Salut la gang et bienvenue à l'Autostoppeur. C'est quoi l'Autostoppeur? En fait, c'est moi qui parle devant une pièce vide, devant une caméra. En fait, l'Autostoppeur, ça vient de où? Ça vient que sur la route de l'horreur présentement, ben, on est comme... On roule pas, on est dans notre char. La clé est proche du contact, on va vous le dire, là, mais on roule pas. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, une fois de temps en temps, venir vous voir puis parler de plein de choses qui ont rapport avec nous. Et là, j'ai vu que le festival Spasme s'en vient bientôt et je suis un fan de Spasme, malgré que ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Shame on me, mais cette année, je vais aller à au moins une soirée. Je sais pas encore laquelle, là, je vais essayer de choisir, malgré mon horaire très chargé et le fait que mon fils est né un 30 octobre. Une journée trop en avance, mais ça fuck tout le temps tous nos plans de Spasme parce qu'il y a les fêtes d'enfants, etc. Blablabla. Mais bon, Spasme, souvenez de Spasme, je me rappelle de Spasme dans le temps que Spasme avait des DVD. Oh oui, des DVD. Je sais pas si vous avez connu cette époque-là de Spasme. C'était incroyable. DVD volume 1, DVD volume 2, DVD volume 3. Volume 3, que c'est moi qui a tout fait, le DVD. Toute l'interface, les liens, tout le menu d'affaires-là. On travaillait beaucoup avec Spasme avant. On se filmait toutes les soirées. Fait que si vous avez ces DVD-là et que vous regardez les clips vidéo du Night Shift, des animations, etc., ça vient de nous, back in the day. Et même que Spasme, il y a très longtemps, avait sorti un magnifique coffret de 3 films, dont Under the Scares, Under the Scares, que je vais vous reparler éventuellement pour le fun. Mais là, qu'est-ce que je me rends compte en prenant mon coffret? C'est qu'il manque Spasme volume 4. Je n'ai pas Spasme volume 4. Je ne sais pas il est où. J'ai le 1, 2, 3, combat québécois, Bagman, whatever, mais je n'ai pas le 4. Si jamais quelqu'un d'entre vous a le DVD de Spasme volume 4, s'il vous plaît, faites-moi signe, je le veux pour la collection. Spasme, fin octobre, allez voir ça, des soirées vraiment incroyables, vraiment cool. Et bientôt, on devrait se revoir plus souvent. On va peut-être même voir Martin et Guillaume plus souvent. Tranquillement, pas vite, on est en train de mettre du gaz dans le char, la clé est proche du contact. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Fait que voici épisode 1 de l'Autostoppeur. Je vous achale pas avec une émission, un live de 8 ans, d'une semaine, de 4 heures. Hein? Un petit 2 minutes, 3 minutes. Et voilà, on se revoit sûrement la semaine prochaine. Là.